avec un petit boss élémentaliste. Alors on va rencontrer notre... Un des mômes que j'aime bien chez les morts vivants, c'est les nécro-cavaliers. Des nécromants... sur un cheval nécrotique. Alors, niveau 15 le boss. Je vais m'occuper de ces des positions élevées. Ah, par-dessus des deux entrées, si vous pouvez attirer ces fiches jusqu'ici, nous verrons un endroit de l'enfer. D'accord. Nous, on fait quoi déjà? Alors, nous, on va aller. Est-ce qu'on va aller par là? Il me semble que c'est par là qu'il faut aller. Ouais, le nécro. Ouh, justicial, bon, c'est pété la gueule. Oh, on va aller l'aider, je pense que c'est plus par là. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Voilà, c'est bon. On arrive au bon moment. Parce que s'il meurt, on recommence tout. Mais là, ça va. Ouais, je disais, les nécro-cavaliers, c'est. C'est le style du mob, j'aime bien là. On voit le cheval, là, un guerrier squelette sur un cheval squelette. Donc là en dessous il y a encore des mobs. Je sais pas, il est où le justicier? Ah si, il est là le justicier. Ah d'accord, non, il fallait pas suivre le justicier Albion, il fallait aller de l'autre côté. Bon bah, on y retourne, désolé. Désolé de cet aller-retour. Comme ça au moins on peut profiter de la musique et du décor. Voilà, il y a le... Sur le radar, il y a le truc jaune de l'événement qui est venu. Donc on va taper, hein, on va commencer à taper. Bonjour, alors, les sorciers squelettes. Donc on va traverser la flotte, hein, qui est empoisonnée. Oh, c'est des petits groupes de 3, hein. Suffit de faire attention. Bah, surtout quand on est niveau 12 ou 13, quand on arrive ici. Hein. Bon, par acquis de conscience, on va taper les rôdeurs là-bas aussi. Comme ça, on pourra avancer sur le groupe qui est plus au nord, derrière sur le radar. Toi, on peut dire qu'on t'a sauvé la vie. Hein. Ah non, il va mourir. C'est méchant. On va ramasser la robe et les pièces d'or. Voilà, les esprits qui ont commencé à faire le boulot à notre place. Donc on va se diriger vers le rôdeur qui fait pas long feu et la goule qui fait pas long feu non plus. Si les barrières arrêtaient de bouger, donc des ossements. Ok. Hop. On va continuer à s'enfoncer plus loin dans le marais.
D'accord, il y a encore 10 mobs. Là, il y a un boss moine, donc le premier qu'on rencontre, il me semble. On va taper le boss moine. Hein. Donc c'est un boss moine, mais qui joue plus sur le châtiment. Puissiez-vous trouver la paix dans les brumes, mon frère. Votre bravoure et votre loyauté sont sans pareil. Au nom du Blanc Manteau, je vous remercie pour votre aide. Notre fondateur, Saul d'Alessio, aurait été fier de vous compter parmi ses amis. Comme je l'ai promis, l'Arche du Lion vous est désormais ouverte. Vous et vos amis d'Ascalon êtes les bienvenus. Venez, je vais vous escorter jusqu'à la ville et m'assurer que vous y serez accueillis dignement. Ouais, le fameux pont qui était redressé. Bienvenue à l'Arche du Lion. Victoire! Je l'ai trouvé! Le sceptre d'or. Ah, grâce à Dwaina, nous l'avons trouvé les premiers. Si les morts vivants s'en étaient emparés... Attends-nous. Il faut mettre ce sceptre à l'abri. Cela vaut mieux. Les morts vivants, ils nous attaquent! Ils ne doivent pas s'emparer du sceptre. Rejoignez le temple de la tolérance, vite! Apportez le sceptre au confesseur Dorian. Nous tenterons de retenir les morts vivants. Mais... Allez-y! Bon bah 3-0 pour les morts vivants. Et disparaît, imbécile, plus vite. Moi, j'ai tout mon temps. Bientôt, je récupérerai le sceptre d'or. Tout se déroule comme dans la prophétie. Voilà, c'est pas Zaitan qui contrôle les morts vivants, mais la liche mort vivante. Et nous voici arrivés à l'Arche du Lion, première du nom. En plus, qui est décorée pour l'occasion selon le nouvel encantien. Alors, on va faire un petit tour. Donc, hein, je vais pas faire les quêtes. Hein. Donc, en plus, elle est comment dire, décorée pour. Pour nouvel encantien, donc ça c'est des joueurs hein, de la même guilde, créateur de blason de guilde. Non, alors là, si vous reconnaissez, si vous allez sur Guild Wars 2 dans les à l'Arche du Lion dans la flotte, hein, donc on peut voir ça, on le voit, et on peut voir aussi, il me semble, un peu plus loin par là. Donc les musiques, hein, bien sûr, c'est les musiques de faction en fait. C'est pas la musique habituelle de l'Arche du Lion. Et normalement on voit aussi ça qui est par là. Bon, normalement voilà, avec les deux têtes de lion, on voit un bout de l'escalier. Avec les deux têtes de lion qui sont ici. Qui sont aussi dans la flotte. Donc on va faire un petit tour de l'Arche du Lion. Hein.
tel qu'il était à l'époque de Guild Wars 1, enfin, tel qu'il est aujourd'hui, on va dire, hein, parce qu'on n'est pas dans Guild Wars 2. Donc ici avec le port. Avec le phare. Le phare, hein, c'est pas le même phare que sur Guild Wars 2, hein, ça. C'est un autre phare, hein, qui est là. Hop, on passe par là. Après, on arrive sur l'allée des marchands, s'il me semble. Non, hop là. Ça, on peut pas sauter. Les mauvaises habitudes de Guild Wars 2. On peut pas sauter n'importe où. Et l'allée des marchands qui finit ici. Moi je vais me poser ici, c'est là qu'on va terminer. En plus il y avait plein de quêtes, hein. Je veux dire qu'on arrive ici la première fois. Bon moi bien sûr je les ai toutes faites. Hein. Il y a plein de. Les personnages proposent plein de quêtes. Et l'Arche du Lion, voilà, qui est ici. Et sur Guild Wars 2, il y a l'île de la Griffe qui doit être à peu près par là ici, l'île de la Griffe. Sur Guild Wars 2, hein, le petit îlot qui que a construit Marine, je sais plus. Non, Marine sur. Si vous avez lu le troisième roman de Guild Wars, qui s'agit de la mer des Lamentations. Bon bah c'est sur ce, à l'Arche du Lion. Non, avant de quitter l'Arche du Lion, donc notre prochaine mission, c'est la côte d'Alessio. On va se taper directement. Comme ça on peut voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, on arrive à la côte d'Alessio, qui sera notre prochaine mission coopérative. Bien sûr, il y avait une quête principale qui vous dit allez voir là-bas si j'y suis, parce que les morts-vivants, ils tapent la gueule à tout le monde. Vous voyez ici, il y a des interactions, mais on peut pas participer. Hein. Donc on voit que les... on voit que les ghouls attaquent les remparts de la côte d'Alessio, donc qui est pas loin de l'Arche Union qui est derrière nous. Bon bah c'est sur sur ce, bah je vous laisse et je vous dis à bientôt.